Saint-Malo, 1er septembre 1999. Yves Godard, médecin, embarque avec ses deux jeunes enfants pour une croisière de 5 jours. Leur voilier ne reviendra jamais au port. J'étais complètement abasourdi parce que je me suis dit, ça y est, on disparut, on pense à la mort, on pensait tout ça, quoi. Dans les jours qui suivent, du sang est retrouvé dans le véhicule de la famille. C'est un sang qui évoque un corps transporté. Dans la maison des Godard, encore du sang. À l'étage, il y avait des traces de sang. Quelqu'un avait énormément saigné. À partir de cet instant précis, l'affaire Godard bascule dans l'horreur, en fait. J'étais sidéré, sidéré. Où est passée Marie-France, la mère de famille? Est-ce son sang qu'on a retrouvé dans la maison? Que sont devenus les enfants? C'est catastrophique. C'est un coup de massue qui nous tombe sur la tête. Yves Godard est le suspect numéro 1. Personne n'a jamais pensé qu'un père qui était si proche de ses enfants puisse leur faire du mal. De mystérieuses lettres anonymes, disant que la famille est à l'étranger, parviennent aux gendarmes. Le problème principal de l'enquête va être de retrouver qui est le corbeau. Godard est traqué aux quatre coins du monde. On le voit à tel endroit, les gendarmes courent après, en fin de compte, il n'y avait que des ombres. Est-ce que les gendarmes ne sont pas passés à côté de quelque chose? Retour sur les mystères de l'affaire Godard, qui depuis 12 ans n'ont cessé de s'épaissir. Nous sommes à Saint-Malo, au nord-est de la Bretagne. Derrière moi, le port de plaisance des Sablons. C'est ici qu'en septembre 1999, le docteur Yves Godard, accompagné de ses deux enfants, embarque sur un voilier de location pour ne plus jamais revenir. Quelques jours plus tard, des traces de sang de son épouse, Marie-France, sont découvertes dans leur maison. C'est ainsi que débute l'affaire Godard, une véritable tragédie grecque avec la mère pour décor, un drame familial ultra médiatisé dont les fonds marins gardent encore aujourd'hui tous les secrets. Ce soir, nous allons revenir sur l'une des plus grandes énigmes criminelles de ces 20 dernières années, car malgré une enquête hors norme, 5 juges d'instruction, des dizaines de tomes de procédure, l'affaire Godard demeure non élucidée. Dimanche 5 septembre 1999, un bateau pneumatique dérive au large de Roscoff. C'est une annexe, petite embarcation gonflable, normalement utilisée par les navigateurs pour rejoindre la côte quand leur voilier est ancré en mer. Sur un chalutier, des pêcheurs la repèrent. Ils s'approchent et la hissent à leur bord. Dans l'annexe, ils découvrent un ciré jaune. Dans une des poches, un chéquier, au nom du cabinet médical d'un certain Yves Godard. Intrigués, les pêcheurs communiquent par radio le numéro de série de l'annexe au centre régional de sauvetage. Jean de Mézrac, l'avocat de la famille de Marie-France Godard, revient sur la découverte de cette embarcation. Alors, l'annexe permet d'identifier le bateau. Le bateau permet d'identifier le loueur du bateau, qui va nous dire qui a loué ce bateau. Le bateau, baptisé le Nick, appartient à une société de location du port de Saint-Malo. Ce voilier de 9 mètres a été loué par un père de famille, accompagné de ses deux jeunes enfants. La gendarmerie maritime convoque le loueur. Il se souvient très bien que courant août, lui ou sa femme a reçu un appel d'un médecin de Caen, dénommé Godard, pour une promenade en mer de 4-5 jours, fixée au 1er septembre. Le loueur ajoute que le médecin a dit vouloir faire une courte croisière entre Saint-Malo et Perros-Guirec. Trajet qui ne présentait pas de difficultés particulières. Et là, il signalera avoir vu ce monsieur avec simplement deux jeunes enfants, sans rien identifier de particulier, vérifiant normalement si les organes de sécurité étaient présents sur le bateau et ne signalant vraiment rien d'extraordinaire, du moins rien qui attire son attention. Le 1er septembre à Saint-Malo, le docteur Godard a donc embarqué seul avec ses deux enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans. Le loueur est formel. Personne d'autre ne les accompagnait. Il se souvient que le médecin avait l'air expérimenté. C'était non seulement une passion,
mais également un art exercé avec talent. Il était, paraît-il, un excellent marin. Mais le 5 septembre, jour prévu du retour du bateau, le Nick ne revient pas au port. Ce retard, ajouté à la découverte en pleine mer de l'annexe du voilier, inquiète les hommes de la gendarmerie. Pendant quelques jours, cette enquête, pour les gendarmes eux-mêmes, va s'ouvrir dans le cadre d'une disparition en mer tout à fait classique, type naufrage. Et d'ailleurs, les premières investigations, ça va être de faire un appel à des bateaux, ce que vous avez vu, un bateau, un voilier en détresse, etc. On part pendant plusieurs jours dans cet esprit-là. Mais aucun témoignage ne permet de faire avancer l'enquête. Un avion de l'armée est envoyé pour survoler la Manche dans l'espoir de localiser le navire. En vain. Les gendarmes se penchent alors sur la météo des derniers jours pour évaluer les probabilités de naufrage. Claude Roy est expert maritime. Durant sa carrière, il a travaillé sur de nombreux cas d'accidents en mer. On avait du vent qui était assez faible, on avait des vents de secteur nord, nord-nord-est, qui allait de 4 à 6 nœuds. Donc pour un bateau qui fait route dans le secteur ouest, ces vents sont plutôt favorables. On appelle ça des vents portants, mais ce sont des vents faibles. La mer était belle et bonne, il n'y avait pas des conditions météorologiques qui étaient difficiles. Olivier Quesneau est le maire de Tilly-sur-Seul, petit village où habitait la famille Godard. Fait du hasard, il naviguait lui aussi ses premiers jours de septembre dans la même zone. Moi, le 5 septembre, j'étais en mer avec mes enfants. Il faisait beau, la mer était calme, il y avait un peu de vent et c'était pas une journée à faire naufrage ou avoir un accident en mer de façon à couler corps et bien avec un bateau. Olivier Quesneau témoigne d'un autre fait important. Ce jour-là, il n'y a eu aucun appel sur la VHF, c'est-à-dire sur la radio des bateaux, hein, puisqu'on est tous à l'écoute quand on est en mer. Et il n'y a eu aucun SOS de lancé, il n'y a rien eu dans notre langage, aucun m'aider. Le Nick ne semble pas avoir émis d'appel de détresse. Une chose est sûre, la radio du voilier reste désespérément sourde aux appels répétés de la gendarmerie maritime. Yves Godard ne répond pas. Personne ne sait ce qui est arrivé aux passagers du Nick. L'inquiétude grandit. Camille et Marius ne se présentent pas à l'école le lundi. C'est pourtant un jour important, celui de la rentrée en CP de la petite fille. Tout en continuant d'essayer de localiser le voilier, les gendarmes cherchent à joindre Marie-France, l'épouse du docteur Godard, qui, selon le loueur, n'a pas participé à la croisière. Il est certain qu'elle avait plutôt horreur des promenades en mer. La mère de famille est donc, selon toute vraisemblance, restée chez elle. Mais à Tilly, dans la maison, les appels de la gendarmerie sonnent dans le vide. Toute la famille semble avoir disparu. Où sont Yves, Marie-France, Camille et Marius Godard? Jean-Marc, cela fait 12 ans que les médias et le grand public se passionnent pour cette affaire. Tout le monde est encore fasciné par le destin funeste de cette famille. C'est sûr. Cette histoire a marqué la mémoire collective, mais elle a surtout marqué les enquêteurs. Il faut imaginer l'obsession des gendarmes plongés dans un tel mystère. Un dossier pareil, ça vous tombe dessus et ça vous lâche plus. Et je vous assure, Arnaud, le temps n'y changera rien. Tant que les questions demeurent, les enquêteurs sont incapables de se sortir le dossier de la tête. Et dans cette affaire, des mystères à éclaircir, il y en a beaucoup. À commencer par cette histoire d'annexe. Jean-Marc, vous qui pratiquez la voile régulièrement, que pensez-vous de cette annexe retrouvée à la dérive? Ça peut arriver qu'une annexe parte à la dérive, un nœud mal fait, une faute d'inattention. C'est rare, mais ça peut arriver. En revanche, qu'on retrouve dedans un ciré et un chéquier, alors là, c'est beaucoup plus étrange. Aucun voileux ne laisse traîner des papiers importants dans une annexe. C'est instable, ça prend l'eau, c'est impensable. Pourtant, on a vu qu'Yves Godard est un marin confirmé. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Moi, ça me fait penser à une mise en scène. On aurait volontairement détaché l'annexe, mis le ciré dedans et le chéquier, comme pour dire, c'est l'annexe du docteur Godard. Mais dans quel but? C'est difficile de le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, tous les appels lancés sur le canal 16, le canal affecté aux messages d'urgence, restent sans réponse. Le Nick a bel et bien disparu. Mais est-il possible que le bateau soit hors zone de couverture radio? Non. Dans la Manche, on est partout en couverture radio. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas répondre ou qu'il ne peut plus le faire.
Mais il y a autre chose qui inquiète les enquêteurs. Marie-France, la maman, qui d'après les témoins n'a pas embarqué sur le NIC, ne donne pas l'alerte. Oui, c'est vrai. Elle devrait pourtant être très inquiète de ne pas voir revenir sa famille le 5 septembre, date de fin de l'allocation. D'autant plus que la rentrée des classes a lieu le lendemain. Il est désormais impossible de croire à l'hypothèse de la croisière que l'on prolonge pour faire durer le plaisir. À terre, les premières investigations des gendarmes vont confirmer que c'est un tout autre scénario qu'il faut envisager. Depuis une semaine, un combi Volkswagen blanc garé sur le parking du port des Sablons intrigue un agent de sécurité. Les vitres sont ouvertes, les portes ne sont pas verrouillées. Personne ne sait à qui il appartient. La gendarmerie maritime se rend sur les lieux. La plaque minéralogique permet de déterminer que le véhicule appartient à Yves Godard, le disparu en mer. Le 7 septembre 1999, le véhicule est passé au peigne fin. Ils sont saisis deux livres, un ticket de caisse, des jouets d'enfants, des compresses et deux ampoules de morphine vide. Les gendarmes font ensuite une découverte plus inquiétante, des traces de sang. Des traces de sang situées en bas du fourgon et manifestement essuyées. Mais c'est un sang qui évoque un corps transporté. Vivant ou mort, mais un corps transporté. Il y a des sièges, on ne trouve pas de sang sur les sièges. On ne trouve pas de sang à la hauteur d'un passager normal. Des traces de sang, un corps transporté. Quel drame a pu se nouer avant qu'Yves Godard et ses enfants n'embarquent sur le NIC ? L'affaire prend alors une toute autre dimension. Et de cette enquête au départ, de cette recherche d'un sinistre en mer, nous allons partir vers une enquête criminelle ouverte par le parquet de Saint-Malo. Les faits envisagés sont graves. La gendarmerie maritime passe donc le relais à la section de recherche de Rennes, spécialisée dans les homicides. Des gendarmes se rendent immédiatement au domicile des Godard, à Tilly-sur-Seul, où les habitants commencent à envisager le pire. On était inquiets sur ce qui pouvait se passer et on était inquiets pour les enfants. Ils n'avaient pas fait la rentrée scolaire alors qu'ils étaient inscrits et toute la commune était en émoi à ce moment-là. Olivier Quesneau est aux côtés des gendarmes quand il pénètre dans la longère des Godard. J'ai fait partie des témoins qui suivaient toute l'enquête, toutes les fouilles de la maison. À première vue, rien d'inhabituel dans le foyer. Sur la table de la cuisine, un petit mot très ordinaire, écrit par Yves Godard. On part quelques jours, on revient dimanche. Au rez-de-chaussée, tout semble en ordre. Tout est normal, comme une maison qui vit et qui va revivre trois jours plus tard. Stéphane Boucher est à l'époque journaliste au Parisien. Il se souvient des premières constatations. Le frigo rempli, toutes les affaires, il n'y a pas du tout de bazar. Les cartables des enfants sont prêts pour partir à l'école. Les gendarmes accèdent ensuite au premier niveau de l'habitation et pénètrent dans la chambre d'Yves et Marie-France. À partir de cet instant précis, l'affaire Godard bascule dans l'horreur, en fait. Les enquêteurs s'approchent du lit et retournent le matelas. Le matelas, il y avait une tache de sang assez importante qui laissait entrevoir que quelqu'un avait énormément saigné. Les gendarmes ont pris une lame, ont découpé le matelas pour extirper donc, et voir à quel niveau le sang avait pénétré dans le matelas. Je veux dire, c'était assez conséquent. Je dirais que ça faisait entre 10 et 15 cm sur un rond de 30 cm. Le matelas est imbibé de sang. Une personne a indubitablement eu une hémorragie massive dans ce lit. Sur le mur, il y avait 4 ou 5, je ne me rappelle plus trop, traces de sang, formant des arcs de cercle et allant décroissant d'1,50 m à 60 cm. Ces taches ont été grossièrement nettoyées. Dans la chambre de Marius et Camille, pas de traces de sang, rien de particulier à signaler, sinon que les lits sont défaits, comme si on était parti à la hâte. Et après, la salle de bain où on voyait qu'effectivement quelqu'un avait fait le ménage, s'était lavé les mains. Et là, il restait aussi des traces de sang dans la salle de bain. Des traces rougeâtres sont relevées sur le rebord du lavabo. Et un gant de toilette imbibé de sang, qui pourrait avoir servi à nettoyer le mur de la chambre, est saisi. Dans les escaliers, du sang a goûté sur les marches.
alarmés par ce qu'ils viennent de découvrir à l'étage. Les techniciens de scène de crime fouillent le rez-de-chaussée de fond en comble. Ils finissent par trouver un plaid ensanglanté dans le tambour de la machine à laver. Toutes les traces de sang relevées font l'objet de prélèvements qui sont transmis à un laboratoire. Les analyses immédiatement réalisées sur ces traces de sang trouvées tant au domicile que dans le véhicule démontrent qu'il s'agit bien du sang de Marie-France. Les quantités de sang sont importantes. Tout laisse penser qu'elle a été grièvement blessée, voire qu'elle est décédée. En épluchant les relevés téléphoniques de la famille, les enquêteurs découvrent que la fille aînée de Marie-France, issue de son premier mariage, a parlé à sa mère vers 17h le 31 août. Elle était donc encore vivante à ce moment-là. Pour les gendarmes, il est impératif de retrouver le corps de la mère de famille et l'arme qui aurait servi à la tuer. D'importantes fouilles sont mises en œuvre. Les gendarmes sont à l'affût du moindre indice. Il a été réalisé également, en début d'investigation, des recherches très approfondies, localement autour de Tilly-sur-Seine, avec des équipes de plongeurs dans tous les étangs du coin, aux abords de Tilly-sur-Seine, dans la rivière La Seule. Pendant des jours, le moindre champ, le moindre bosquet ou fossé entourant la maison est fouillé, en vain. Le terrain des Godard est retourné dans l'espoir de retrouver la sépulture de Marie-France. Là encore, en vain. De son côté, l'enquête de voisinage ne donne rien. Personne n'a rien vu, rien entendu. Pas de bruit, pas d'allées et venues suspectes, ni de cris ne sont signalés. Il y a eu vraiment beaucoup de travail de fait par les enquêteurs, beaucoup de reconstitutions, et rien n'a abouti, rien n'a donné quoi que ce soit. Au vu des premières constatations dans le combi et la maison, le scénario d'un drame familial se dessine peu à peu. Yves Godard est désormais le suspect numéro 1. Pour le retrouver au plus vite, la justice décide de se donner tous les moyens. Le parquet de Saint-Malo ouvre donc une information pour homicide volontaire à son encontre et lance un mandat d'arrêt international. Avec la découverte des taches de sang dans la maison et la disparition de Marie-France, l'affaire prend une toute autre tournure. Les gendarmes pensent alors que la mère de famille a été tuée par son mari. Mais comment démarrer une enquête quand on n'a ni cadavre, ni arme du crime, ni témoin? C'est le problème de toutes les enquêtes sans cadavre. Il n'y a pas véritablement de scène de crime, donc on s'accroche au moindre élément matériel pour tenter de remonter le fil des événements et de reconstituer un scénario probable des faits. En l'occurrence, tout repose sur l'analyse des traces de sang. Dans la chambre du couple, il y a des taches sur le mur et le matelas est imbibé de sang. On en trouve aussi dans le lavabo de la salle de bain et sur les marches de l'escalier. On sait que tout ce sang, c'est le sang de Marie-France et uniquement celui de Marie-France. Que s'est-il passé dans cette maison, Jean-Marc? Tout a dû se jouer dans la chambre. Cette énorme tache sur le matelas me fait dire que c'est dans leur lit qu'elle a été agressée. Elle a perdu énormément de sang, on peut même envisager qu'elle est morte dans ce lit. Mais comment expliquez-vous la présence des autres taches? Selon moi, Godard tue sa femme. Les mains couvertes de sang, il s'appuie sur le mur en sortant de la pièce, d'où les taches. Ensuite, il descend le corps dans l'escalier, d'où les gouttes sur les marches. Les taches du lavabo dans la salle de bain, c'est parce qu'il est allé se laver les mains. Mais Jean-Marc, vous ne trouvez pas ça bizarre qu'on ne retrouve pas plus de sang à l'étage? Car si on suit votre raisonnement, il devrait y en avoir sur le palier entre la chambre et l'escalier, là où Yves Godard est forcément passé avec le corps de sa femme. Pour ça, j'ai une explication. Souvenez-vous, on a retrouvé dans le tambour de la machine à laver un plaid taché du sang de la victime. Je pense qu'Yves Godard a enroulé le corps de sa femme dedans pour le porter jusqu'à son véhicule garé devant la maison. C'est ce qui pourrait expliquer qu'on retrouve du sang dans l'habitacle. Dans le combi, il y a un autre élément important. Les enquêteurs saisissent deux ampoules de morphine vide. À quoi ont-elles pu servir? On pourrait envisager qu'Yves Godard l'ait injecté à Marie-France pour abréger ses dernières souffrances. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'elles étaient là depuis un moment. Il a pu s'en servir lors d'une visite à un patient qui souffrait. Revenons à ce qui a pu se passer dans la maison. Yves Godard semble avoir tenté d'effacer les traces de son crime. Comme souvent dans ces cas-là, la panique est mauvaise conseillère. Il essuie les taches sur le mur d'une manière grossière, il retourne le matelas, il met le plaid dans la machine à laver. Croyez-vous qu'il espère vraiment détruire les preuves avec ce petit nettoyage rapide? Ce serait bien naïf de sa part. À mon avis, c'est plus un père qui fait en sorte que ses enfants ne découvrent pas la scène d'horreur qui a eu lieu pendant leur sommeil.
Qu'est-ce qui vous fait penser que les faits se sont passés la nuit ? On a un créneau horaire précis. On sait que vers 17h, le mardi 31 août, Marie-France parle au téléphone à sa fille aînée qui vit avec son père. Et le lendemain, à 8h45, Yves Godard et ses enfants quittent la maison en direction de Saint-Malo. Les faits ont donc eu lieu dans cet intervalle. Le loueur de bateau a vu les enfants ce matin-là. Il ne les a pas trouvés traumatisés. Marius et Camille ne devaient certainement pas savoir que leur mère était morte. C'est ce qui me fait dire que les petits dormaient au moment du meurtre et qu'ils n'ont rien vu, rien entendu. Les voisins non plus n'ont rien entendu. Pas de dispute, pas de cri, pas de bruit de lutte. Ça peut choquer. Mais il est possible de tuer quelqu'un sans faire de bruit. Godard s'est sûrement servi d'une arme blanche. Mais il y a peut-être des gens qui ont vu des choses. Déplacement du combi dans la nuit, dispute du couple les jours précédents, etc. Il n'est jamais trop tard pour témoigner. Jean-Marc, tout au long de ce scénario criminel, vous avez fait d'Yves Godard le suspect numéro un. C'est la thèse qu'ont également retenu les gendarmes. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est lui le meurtrier ? Ça sent le drame familial à plein nez. C'est sa femme, c'est sa maison, c'est sa voiture. Et lui, il a disparu. Tiens donc. Dans ce genre d'affaires, il faut se plonger au cœur de l'intimité du couple. Les enquêteurs vont donc chercher à comprendre qui sont réellement Yves et Marie-France pour mettre en lumière les zones d'ombre de leur personnalité. L'histoire de Marie-France et d'Yves Godard commence par un véritable coup de foudre. Chacun étant déjà marié, ils décident de divorcer pour vivre leur amour. Lorsqu'ils se marient en 1994, Camille a quelques mois. Marius naît 2 ans plus tard. Il s'installe à Tilly-sur-Seul, petit village normand, près de Caen. C'était une famille sans histoire. Ils vivaient un peu à l'écart de la commune, dans le hameau de Juvigny. Et au niveau de la vie sociale de la commune, on les voyait surtout à l'école où ils venaient chercher les enfants. Marie-France a 43 ans. Elle a choisi de ne pas travailler pour s'occuper de Camille et Marius. Elle voit aussi très régulièrement son fils et sa fille, issus de sa première union, qui habitent à 5 km de là, avec leur père. Yves, 44 ans, est médecin généraliste à Caen. De son premier mariage, Yves Godard a 2 fils. Il les voit peu. C'est pour lui une souffrance. Cela explique peut-être pourquoi il s'occupe tant de Camille et Marius. Il allait assez fréquemment avec ses enfants pêcher dans un étang pas très loin de Tilly-sur-Seul. Il avait des activités avec ses enfants, des petits, hein, Marius et Camille. Et ce qui est absolument certain, c'est qu'il adorait ses enfants. Un médecin, une femme au foyer, 2 jeunes enfants couvés et épanouis. La famille Godard semble heureuse et se suffira à elle-même. Stéphane Minca est journaliste et a enquêté sur l'affaire Godard. C'est elle qui véritablement a enfermé un petit peu cette petite famille dans un cocon. C'est elle qui n'en sortait plus, c'est elle qui ne voulait pas faire de bateau, c'est elle qui ne voulait pas recevoir de gens à dîner. Marie-France est même impliquée dans la vie professionnelle de son époux. Elle assure le secrétariat du cabinet médical 2 à 3 fois par semaine. C'est généralement elle qui gère le carnet de rendez-vous. Les patients sont nombreux. Avant de devenir son amie, Jeannine Tournel a été la patiente du docteur Godard. C'était un très très bon médecin et en tant qu'individu, un être assez surprenant parce qu'il s'intéressait, il était ouvert à toutes les conversations, à beaucoup de choses. Jean-Pierre Beuve est journaliste à Ouest France. Il confirme la bonne réputation du médecin. Il est capable de passer 2 heures avec un type pour essayer de diagnostiquer ce qu'il a ou même d'assister des mourants au centre anti-cancer de Caen. Mais au fil de l'enquête, se dessine le portrait d'un praticien iconoclaste. Michel Vital de Bossé, historien et écrivain ésotérique, connaissait bien Yves Godard. Moi, le seul souvenir que je garde, et il est très clair, c'est d'un médecin qui était en recherche. C'est un esprit qui était en perpétuel mouvement. Il a un caractère un peu libertaire. Et ce caractère libertaire, il va faire ses études, hein, tout à fait normalement, tranquillement. Il devient médecin quand même, c'est pas rien, hein, à l'université de Caen. Et il va très très vite dériver vers une médecine parallèle. Généraliste, il est aussi acupuncteur et homéopathe. Et au cours des années, il se laisse séduire par des pratiques de plus en plus marginales. Sophrologie, radiesthésie,
ou encore magnétisme. Dès qu'on met Yves Godard dans une case, il y a toujours quelque chose qui dépasse, qui fait que la case n'est pas complète. Et alors je pense que pour les enquêteurs, ça a dû être un vrai casse-tête d'arriver à faire un portrait qui soit complet. Il y a toujours un truc qui vient s'ajouter. Le médecin se passionne pour la voyance. Pour preuve, cette conférence sur le thème de la réincarnation et les pouvoirs secrets de l'homme, à laquelle il participe, aux côtés de Jeannine Tournel et de Michel Vital-Lebossé. On a parlé de la réincarnation, de l'incarnation, des phénomènes spirituels. Tout ce qui touchait les pouvoirs secrets de l'homme, les énergies. Maintenant, ce changement de niveau de conscience, pour moi, il permet à la personne de s'ouvrir sur d'autres plans. Yves Godard intègre ses croyances aux soins qu'il prodigue. Il va jusqu'à hypnotiser des patients pour chercher dans leur passé les causes de leur maladie. Godard pratiquait des régressions à la vie intra-utérine, lesquelles régressions permettent de remonter non seulement à l'enfance dans le ventre de la mère, mais peut-être, je mets tout ceci au conditionnel, je dis bien, peut-être, et de façon très hypothétique, à des vies antérieures. Le docteur Godard se met peu à peu en marge des règles déontologiques que lui impose sa profession. En 1992, il est poursuivi par le Conseil de l'Ordre des médecins pour pratique illégale de la pharmacie. C'est pas qu'il prescrive des médicaments interdits, mais il va les délivrer lui-même. Ce qui est interdit à un médecin. Un médecin n'a pas le droit de délivrer des médicaments. C'est le monopole des pharmaciens. Yves Godard se défend en disant que ces pratiques sont avant-gardistes et non illégales. En vain. Il est condamné à 4 mois de suspension d'exercice. Quelque part, il le vivait mal psychologiquement. Et donc, il trouvait que c'était injuste. Son seul but, c'était d'aider l'autre. Dans un courrier envoyé à un confrère, il crie à l'injustice et va jusqu'à évoquer sa mort professionnelle. D'une certaine façon, ce qu'il se dit à ce moment-là, c'est « Ok, la société ne veut pas de moi, la société ne veut pas de mes idées, donc moi, je ne veux pas d'elle non plus. » Le médecin refuse désormais de payer ses cotisations aux caisses de retraite, à l'assurance maladie et à l'URSSAF. On sent surtout que c'était des sommes qu'il avait décidé de ne pas payer dans le cadre d'un combat idéologique contre ces caisses. Yves Godard est membre de la CDCA, Confédération de défense des commerçants et artisans. Ce syndicat s'insurge contre les montants de charges imputés aux professions indépendantes et libérales. Philippe Bouvier, journaliste et spécialiste de cette confédération. La CDCA propose à ses adhérents d'aller gueuler dans les rues, d'aller casser des caisses de retraite, d'aller casser des caisses maladie, et surtout de ne pas payer leurs cotisations. C'est-à-dire qu'en fait, elle leur fournit le prétexte de la lutte syndicale pour finalement garder leur argent pour eux et ne pas payer. Gilles Duchemin était un militant actif à la CDCA. Il y a rencontré Yves Godard, alors trésorier départemental. Lorsque l'on avait une action à mener, soit une manifestation en ville, soit une manifestation par rapport à un huissier, par rapport à un certain nombre de caisses, il n'était généralement pas présent puisqu'il ne souhaitait pas forcément être, je dirais, dans la rue ou manifester dans la rue. Le médecin ne participe pas aux opérations coup de poing, mais assiste à toutes les réunions. Son militantisme n'est pas compris par tous. Ça me paraissait être totalement aux antipodes de sa personnalité. J'aurais plutôt imaginé le docteur Godard comme un baba cool. Yves Godard suit à la lettre les consignes de la CDCA. Il ouvre des comptes bancaires dans des paradis fiscaux et organise son insolvabilité. Il avait mis les cartes grises de véhicules au nom de ses enfants mineurs, peut-être pour anticiper une tentative de saisie d'un véhicule par un huissier. Celui que tout le monde décrit comme un bon père de famille, met volontairement les finances du foyer en danger. Cette dette qu'il démarre en 1996, en ne payant pas ses cotisations, en 1999, elle se monte à 2 millions de francs. À l'époque, c'est déjà énorme. C'est 300 000 euros aujourd'hui. Et donc, évidemment que cette dette pèse énormément et sur lui et sur la famille. Les gendarmes recueillent des témoignages attestant que Marie-France vivait mal cette situation. Son journal intime, saisi lors de la perquisition de la maison, révèle d'autres sujets de discorde dans le couple. Marie-France y évoque beaucoup un psychothérapeute qu'elle consulte.
Les enquêteurs essaient de savoir si elle pouvait avoir une relation extra-conjugale. Il n'y a pas eu de révélation particulière d'une liaison que pouvait avoir Marie-France avec quiconque. Le couple traversait néanmoins une période difficile. Alors, c'est pas Marie-France qui s'ouvre, mais c'est plutôt Yves Godard qui s'ouvre à plusieurs personnes en disant que ça allait pas du tout à la maison, quoi. Jeannine Tournel se souvient de son dernier appel à Yves Godard, quelques semaines avant sa disparition. Il m'a dit textuellement, j'ai des gros, gros, gros problèmes avec une voix que je lui connaissais pas. Et donc là, je me suis dit, ça doit être des problèmes de couple. Donc, j'ai pas posé de questions. Jean-Marc, cette enquête de personnalité est riche d'enseignements. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans cette affaire, les portraits qui se dessinent d'Yves et de Marie-France sont vraiment inattendus. Nous, les enquêteurs, ce qui nous intéresse, ce sont les failles des personnalités. Par expérience, on sait que c'est là que se loge l'explication des crimes. Je vous rappelle que dans une écrasante majorité des cas, les meurtres se font en famille, entre amis, entre connaissances. C'est en creusant l'intimité des victimes et des suspects qu'on s'approche de la vérité. Et ce que découvrent les enquêteurs sur les Godard les conforte dans l'hypothèse du drame familial. Commençons par Yves Godard. C'est un homme en rupture. Ses choix de médecine alternative lui valent des sanctions. Il est aussi en difficulté financière, il a les huissiers aux fesses. Le tout dans un contexte de quête spirituelle. Un médecin qui participe à des conférences sur la réincarnation, ça laisse perplexe. Ce que l'on apprend de la personnalité et de l'état d'esprit de Marie-France est aussi très intéressant. On découvre une femme malheureuse. Il semblerait effectivement que sa vie ne la comblait plus. C'est difficile de dire si c'est sa vie de femme au foyer ou son couple avec Yves qui était la cause de son mal-être. En tout cas, ça n'allait pas fort. Qu'est-ce qui a bien pu se nouer entre eux la nuit du drame ? Dans ce couple, il y a de l'eau dans le gaz. Peut-être qu'une dispute a éclaté, peut-être que Marie-France a menacé de le quitter, a parlé de divorce, de la garde des enfants. Ou bien on peut imaginer qu'Yves Godard, dans sa logique de fuite en avant, ait décidé de tout plaquer et de reconstruire une vie ailleurs, et qu'elle, elle ait refusé de le suivre. Jean-Marc, depuis le début, on parle de meurtre, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que Marie-France ait été dépressive et que cette nuit-là, elle ait tenté de se suicider ? Ouais, pourquoi pas. Mais alors, comment se fait-il que le docteur Godard n'ait pas appelé les secours ? Et surtout, pourquoi a-t-il essayé de dissimuler les traces du drame ? Ça tient pas la route. Yves Godard peut expliquer ce qu'il s'est passé dans la nuit du 31 août. Il faut absolument le retrouver. Les enquêteurs vont se lancer à la poursuite de ce père qui, dans sa fuite, a embarqué ses deux enfants. Les hommes de la section de recherche de Rennes vont suivre pas à pas les faits et gestes des Godard pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé. Ils établissent qu'Yves Godard a réservé le voilier dès le 17 août 1999 pour une sortie en mer entre le 1er et le 5 septembre, entre Saint-Malo et Perros-Guirec. Pourtant, sa femme ne semble pas être au courant, comme le démontre la conversation téléphonique de Marie-France avec sa fille aînée, vers 17h, le 31 août, la veille du départ. Elle ne lui fait pas état d'un départ imminent pour une promenade en mer de quelques jours, ce qu'elle n'aurait pas manqué de lui signaler si elle avait été au courant. Les enquêteurs épluchent le carnet de rendez-vous. Et là, surprise, du 1er au 5 septembre, date de la sortie en mer, les journées sont remplies de rendez-vous. Des rendez-vous inscrits de la main d'Yves Godard. Et là, il va être découvert qu'il s'agissait soit de patients existants, dont le nom existait dans la clientèle, qui n'étaient pas au courant de ce rendez-vous puisqu'ils ne l'avaient jamais pris, soit de noms complètement inventés par le docteur Godard. Le fait est établi. Yves Godard a falsifié son agenda. Un agenda auquel sa femme, Marie-France, avait accès. L'enquête de voisinage ne permet pas de préciser ce qu'il s'est passé dans la soirée du 31 août, dans la maison Godard, à Tilly-sur-Seule. Entre 17h, heure de l'appel de la fille de Marie-France, et le lendemain matin, c'est le trou noir. À 8h45, le mercredi 1er septembre, Madame Chal, une voisine, voit Yves Godard au volant de son combi, s'apprêtant à quitter les lieux. Les enfants sont à l'arrière.
La dernière personne à les avoir vus, c'est Madame Schall, qui voyant le van partir, s'est présentée à Monsieur Godard, qui était au volant, en lui demandant ce qui faisait du chat, parce que d'habitude c'était toujours elle qui nourrissait le chat pendant leur voyage. Et c'est la dernière fois donc qu'elle a vu Monsieur Godard et le van. Dans un premier temps, Madame Schall affirme avoir vu Marie-France dans le véhicule. Puis elle se rétracte. Elle n'est plus bien sûre. En raison de l'âge du témoin, les gendarmes considèrent que ce témoignage prête à caution. Une chose est établie. Yves Godard prend la route. En moins de 2 heures, il rejoint Saint-Malo, à 175 km de là. À 10h30, comme convenu, Yves Godard, Camille et Marius se présentent chez le loueur de bateaux. Mais ce qui nous intéresser dramatiquement, j'allais dire, c'est de voir que dès ce stade-là, il n'y a pas de trace de femme, donc pas de trace de Marie-France. Un ticket de caisse retrouvé dans le combi indique aux gendarmes qu'Yves Godard se rend ensuite dans un supermarché. Sa carte bleue est débitée à 11h39. Il a acheté des détergents, des serpillières et 2 bouteilles de whisky. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de quoi naviguer pendant 5 jours. De retour au port, la famille embarque sur le Nick. La marée, ce jour-là, ne permet de prendre la mer qu'à partir de 14h. Les témoignages recueillis ne précisent pas à quelle heure le Nick quitte le port. Le lendemain, le jeudi 2 septembre à 18h30, une vedette des douanes arraisonne le Nick pour un contrôle de routine. Le bateau se trouve alors au niveau du cap d'Erquy. Un douanier monte à bord. Il fait ce contrôle et il demande des papiers, passeport, papier de navigation. Il dirait qu'il est un peu fébrile. Yves Godard disparaît quelques minutes dans la cabine pour aller chercher ses papiers. Pendant ce temps, le douanier s'étonne de la présence d'une housse de planche à voile sur le pont. Mais il ne s'y attarde pas. Le médecin revient, papier du navire en main. Un interrogatoire de routine débute. Il dit « Vous êtes seul sur le bateau ?» Il dit « Non, j'ai 2 enfants. » Il ne parle que de 2 enfants. Et il entrevoit d'ailleurs le douanier, le corps d'un enfant, dormant sur une banquette en dessous. La petite Camille dort d'un sommeil de plomb, allongée face contre la banquette. Rien ne semble pouvoir la réveiller. La question qui se pose toujours à ce moment-là, c'est de savoir si Camille était effectivement endormie. Donc auquel cas, on peut penser qu'elle n'a absolument pas assisté à un drame et que tout va bien, etc. Ou alors qu'elle est sous sédatif, ou enfin qu'elle est déjà morte. Mais les papiers du voilier sont en règle. Rien à déclarer. Juste une drôle d'impression. Toujours est-il que ce douanier va faire de retour à bord de la vedette de ses collègues, va faire cette réflexion qui reste dans les annales. Ce type a une tête à avoir jeté sa femme par-dessus bord. Les douaniers laissent repartir le Nick. Quelques heures plus tard, le voilier est ancré dans l'anse de Bréhec. Les témoignages recueillis par les gendarmes permettent de déterminer qu'il y est resté 2 jours, ce qui a étonné les gens du coin. Et donc l'un des témoins dit, c'est exceptionnel de voir un bateau 2 jours de suite à cet endroit-là. En fait, la plupart du temps, les bateaux ils passent une nuit et ils repartent le lendemain. En restant 2 jours au mouillage, Yves Godard change son plan de navigation. Le père de famille semble avoir besoin de faire une pause. Étrange. Ensuite, le Nick disparaît. Plus personne ne l'a revu. Les Godard se sont volatilisés. Jean-Marc, on sait que la croisière sur le Nick ne s'est pas décidée sur un coup de tête. Yves Godard avait réservé le voilier dès le 17 août. Oui, la croisière était prévue. Mais ce qui me fait tiquer, c'est cette histoire d'agenda rempli de rendez-vous imaginaires. Un peu comme si Godard voulait dissimuler ce projet de croisière. Mais il le dissimulait à qui ? À Marie-France. L'enquête a montré qu'il lui arrivait de faire office de secrétaire pour le cabinet. Elle avait donc accès à cet agenda. Ça voudrait alors dire qu'il avait prémédité de la tuer avant de larguer les amarres avec les enfants pour recommencer une autre vie ailleurs ? Je ne pense pas. Les événements l'ont dépassé. Il s'est produit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. J'ai du mal à croire qu'un médecin qui prémédite un assassinat tue à l'arme blanche de manière aussi désordonnée, laissant derrière lui une scène de crime aussi sanglante. C'est vrai qu'on imagine mieux un médecin tué par empoisonnement. Dans cette histoire, il y a un facteur émotionnel et passionnel très fort. Godard ne pense plus comme un médecin, il agit dans la colère. Si on en croit le témoignage du loueur de bateau, Godard aurait repris ses esprits assez vite.
Il décrit un homme peu bavard, mais calme et sûr de lui. En revanche, les douaniers, qui sont les derniers à l'avoir vu vivant, sentent qu'il dégage quelque chose de suspect. Les douaniers, comme les flics, sont des chasseurs. Le flair, ça joue dans une enquête. Il faut aller au bout de ses intuitions. On n'a pas grand-chose à perdre. Au pire, on s'est simplement trompé. Ils auraient certainement dû écouter leur instinct, fouiller le bateau et s'assurer que les enfants allaient bien. Pour ces douaniers, c'est un souvenir douloureux et ils se reprochent encore aujourd'hui de ne pas avoir été encore plus loin dans leur vérification. On a tous nos démons, nos regrets, et j'ai les miens. Des faits que j'ai mal appréciés, des témoins que je n'ai pas réussi à mettre en confiance, des auteurs que j'ai pas confondus alors que je les savais coupables. Au-delà du comportement d'Yves Godard, il y a un détail qui a marqué les douaniers. Quand ils montent sur le pont, ils sont surpris d'y trouver une housse de planche à voile. Un père qui navigue seul avec deux très jeunes enfants, c'est déjà compliqué. Mais qu'il prévoit en plus de faire de la planche à voile en laissant ses deux petits à bord, alors là, c'est carrément de la science-fiction. Donc vous sous-entendez qu'il y avait autre chose dans cette housse? Une housse de planche à voile, c'est grand. On peut facilement y mettre un corps. Marie-France était très mince et plutôt petite. Mais comment a-t-il procédé? Godard a tué sa femme, c'est la panique. Il doit faire disparaître le corps avant que les enfants ne se réveillent. Il lui faut trouver de quoi transporter le cadavre discrètement. Il pense alors aux housses de planche à voile qu'il garde dans sa remise. Si je vous suis, il aurait chargé la housse contenant le corps dans le combi et le lendemain, il serait parti à Saint-Malo avec les enfants. Mais comment a-t-il fait quand il est arrivé au port? Dans les ports de plaisance, des chariots sont mis à la disposition des navigateurs au bout des pontons. C'est sans doute comme ça qu'il a procédé, en toute discrétion. Ça fait froid dans le dos d'imaginer deux enfants prenant la mer avec le cadavre de leur maman. Mais où sont-ils? Et jusqu'où leur père a-t-il l'intention d'aller? De mystérieuses lettres vont alors parvenir aux gendarmes et relancer l'enquête. Le samedi 2 octobre 1999, soit un mois après la disparition de la famille Godard, une lettre anonyme arrive à la gendarmerie de Falaise, dans le Calvados. Sur une feuille de bloc-notes, deux phrases à peine. L'écriture est soignée et très lisible. L'auteur adresse aux enquêteurs un étrange message. Le docteur Yves Godard est bien vivant. Il vit en mer d'Irlande, sur l'Isle of Man. Le prendre au sérieux. Les courriers de corbeau, il y en a dans toutes les affaires, il y en a tout le temps. Mais pourquoi est-il important celui-là? Il est important parce qu'il y a là l'indication de l'île de Man. Six jours plus tard, une seconde lettre, tout aussi mystérieuse, leur parvient. L'écriture est identique. Le corbeau a récidivé. Et là, elle est beaucoup plus inquiétante. Elle dit en gros maintenant que le docteur Godard a changé d'île, il sera à l'île Lewis. Et surtout, il faut sauver les enfants. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, les gendarmes ont quelque chose à se mettre sous la dent. À la fin du mois d'octobre, ils partent bille en tête vers ces deux îles britanniques dans l'espoir de retrouver la trace des disparus. Ils commencent par l'île de Man, qui se situe en mer d'Irlande. Ils y font une découverte qui leur prouve qu'Yves Godard avait une très bonne raison de venir sur place. Ils vont trouver un compte bancaire au nom d'Yves Godard. Les lois bancaires de l'île de Man la rendent particulièrement attractive. C'est une terre où on peut défiscaliser. Et à ce moment-là, les gendarmes commencent à apprendre le passif financier du docteur Godard. Yves Godard aurait ouvert un compte à Man pour organiser son évasion fiscale. Insolvable en France, le médecin aurait en cela scrupuleusement suivi la marche à suivre, recommandée par la CDCA, le syndicat dont il était membre. Les gendarmes échafaudent alors une hypothèse. Yves Godard aurait mis en scène un faux naufrage et serait venu sur l'île récupérer de l'argent qui lui permettrait de financer un projet de nouvelle vie. Sur place, un témoignage très intéressant est recueilli. Les gendarmes vont à l'île de Man et trouvent effectivement un hôtelier qui pense véritablement avoir vu les enfants. Il a même une anecdote, il raconte que le petit était tout seul à un moment donné, qu'il lui a demandé où est ta mère et il est parti en courant. Donc c'est troublant. Au dire de l'hôtelier, Yves Godard et ses deux enfants seraient restés sur l'île du 7 au 14 septembre. Mais aucune preuve matérielle formelle ne soutient ce témoignage. Dans la foulée de ces investigations, les gendarmes se rendent sur l'île de Lewis, au nord-ouest de l'Écosse, dont il est question dans la deuxième lettre du corbeau. Sur place, les enquêteurs rencontrent un homme. Il s'appelle Robert Morrison et il tient en fait la billetterie des ferries sur l'île et il affirme de manière assez précise avoir vu le docteur Godard et ses enfants. Quand on lui présente des photos des disparus,
il affirme les avoir croisés sur l'île au début du mois d'octobre 1999. En France, cette nouvelle fait renaître l'optimisme des proches des Godard. À ce moment-là, j'ai une famille se nourrissant encore d'un petit espoir de retrouver tout le monde vivant. Sur l'île de Lewis, la police écossaise prête main forte aux gendarmes. Au départ, la police locale commence à collaborer avec eux, sauf qu'un juge écossais prend ombrage de cette collaboration qui n'a aucune forme juridique habituelle, en fait, et va assigner les gendarmes français à résidence à leur hôtel. En effet, dans l'urgence, les enquêteurs français sont partis sans commission rogatoire internationale. Ces âmes pourtant indispensables pour mener des investigations à l'étranger. L'enquête hors de nos frontières s'arrête net. Aucun des témoignages recueillis par les gendarmes n'est étayé par des preuves matérielles. On ne peut affirmer avec certitude qu'Yves Godard et ses deux enfants s'y sont effectivement rendus. À leur retour en France, les hommes de la section de recherche de Rennes n'ont plus qu'une carte à jouer. Identifier coûte que coûte le corbeau dans l'espoir qu'il puisse les renseigner. Les deux lettres anonymes sont envoyées à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale pour expertise graphologique. Il s'agirait a priori d'un personnage féminin, peut-être d'une soixantaine d'années. L'auteur leur paraît très bien renseigné. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'une proche qui aurait pu être contactée par Yves Godard. Une personne destinataire d'une confidence, d'un projet de Godard, et qui envoie un appel au secours. Des dizaines de femmes sont convoquées par les gendarmes. Ils vont organiser, dans tout l'entourage de la famille Godard, ils vont organiser ce qu'on appelle en gros l'épreuve de la dictée, c'est-à-dire qu'ils vont convoquer les gens, ils vont leur faire écrire la même chose que ce qu'il y a dans les courriers, 5 fois, et comparer les écritures. Ces comparaisons ne donnent rien de probant. Dépités, les enquêteurs se tournent alors vers la génétique. Il y a un ADN qui a été relevé puisque c'est un timbre qui a été léché et collé. L'ADN prélevé sur le timbre confirme que le corbeau est une femme. Les gendarmes convoquent alors toutes les femmes de l'entourage du couple. Il y a eu 300 personnes, paraît-il, qui ont été soumises à l'ADN. Ils ont interrogé toute la gente féminine qui côtoyait Yves Godard. Malgré tous les efforts des gendarmes, les comparaisons d'ADN n'ont rien donné. À ce jour, le corbeau n'a toujours pas été identifié. Cette femme, restée dans l'ombre, n'a jamais expliqué comment elle avait eu ces informations, ou si elles n'étaient que le fruit de son imagination. Jean-Marc, des lettres anonymes dans des affaires criminelles, c'est très courant. Oh, les corbeaux, on les croise souvent dans notre métier. La première fois qu'on a utilisé le terme, c'est dans l'affaire Angèle Laval. Cette vieille fille austère a semé la terreur à Tulle dans les années 20 en envoyant plus d'une centaine de lettres anonymes. À son procès, elle était habillée tout en noir. Les journalistes l'ont baptisée Le Corbeau et l'expression est restée. Est-ce que ces lettres anonymes peuvent servir l'enquête ou, au contraire, est-ce que c'est une perte de temps? Moi, par expérience, j'aime pas beaucoup ce genre de volatile. Vous savez, les affaires criminelles, ça stimule les déséquilibrés. Chaque lettre de corbeau nous oblige à faire des vérifications. Et en plus, on doit identifier qui a pris la plume. Ça pourrait être un fou. Pour en revenir à l'affaire Godard, que pensez-vous des 2 lettres reçues par les gendarmes? Les lettres parviennent aux enquêteurs plus d'un mois après la disparition. Les journaux se sont déjà emparés de l'affaire. Tout le monde connaît donc les prénoms des enfants Godard. Tout de même, ce corbeau évoque précisément les îles de Man et Lewis. Il a l'air renseigné et sur place, les gendarmes recueillent les témoignages qui disent que le père et les enfants sont passés par là. Dans ce style d'affaires, quand on a si peu d'éléments matériels, si peu de témoignages, au moindre élément, on part au quart de tour. C'est un peu l'énergie du désespoir et les enquêteurs ont eu raison d'y aller. Mais les témoignages qu'ils collectent sur place ne sont pas étayés par des preuves matérielles irréfutables. Ça laisse planer le doute. Ce qui est étrange, c'est que le corbeau s'est arrêté subitement d'écrire 2 lettres et puis plus rien. La pulsion est passée. Le corbeau a peur. Il sait qu'il y a des recherches pour l'identifier qui sont en cours. À ce jour, on ne sait toujours pas qui est la femme qui se cache derrière ces lettres anonymes. Et ce, même si on a son ADN. Après le corbeau, au gré des vagues et des marées, c'est la mer qui s'invite dans l'enquête en nous livrant des éléments matériels, mais surtout une terrible nouvelle.
Le 16 septembre 1999, un cargo repêche un gilet de sauvetage du NIC au large de Cherbourg. Moins d'une semaine plus tard, un nouvel élément appartenant au voilier est découvert. Des promeneurs sur une plage donc, du sud des îles Britanniques retrouvent le canot de survie du NIC, en fait. C'est l'embarcation de dernier secours, c'est celle qu'on déclenche quand il y a eu un naufrage. Ce canot, c'est peut-être la preuve que le NIC a fait naufrage. Mais les enquêteurs constatent vite de curieuses anomalies. À commencer par le fait que le radeau n'est qu'à moitié gonflé. Ce qui pose un certain nombre de questions, parce qu'il n'est pas percé et qu'en cas de naufrage, le système automatique de gonflage, normalement, aurait dû gonfler le canot totalement. Autre élément troublant, le radeau est vidé de ses vivres et son toit est découpé au couteau. Il est donc difficile d'envisager qu'il ait, dans cet état, servi de canot de survie. Des prélèvements sont effectués sur l'embarcation pour tenter de comprendre qui l'a utilisé. Pas de traces d'ADN identifiables, il y a des cheveux, des choses, mais aucune identification ADN possible rappelant une présence de la famille Godard dans le radeau de survie. Le mystère reste entier, mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Le 16 janvier 2000, un chalutier pêchant au nord de l'île de Bas, zone où a été retrouvée l'annexe, remonte un sac dans ses filets. Et dans ce sac, il y a des éléments d'identification de la famille Godard de manière absolument certaine. Il y a des documents d'identité, il y a des effets personnels. L'annexe, le gilet de sauvetage, le canot de survie, le sac, tout laisse penser que le NIC a fait naufrage. Mais les enquêteurs restent tout de même perplexes, car aucun débris du voilier n'est retrouvé. Donc à partir de là, les gendarmes vont analyser tous les courants marins et tous les phénomènes maritimes qui peuvent expliquer cette dérive d'indices à travers la Manche. Les enquêteurs espèrent ainsi déterminer où a sombré le NIC. Car quand un bateau coule, tous les éléments partent à la dérive, dans le même sens, poussés par les vents. Des objets flottants tels qu'une survie ou une annexe ou encore un gilet de sauvetage, s'ils se retrouvent flottants à la dérive au même moment, ils doivent se retrouver à peu près au même endroit. Les experts ne s'expliquent pas pourquoi le radeau et le gilet de sauvetage ont été retrouvés à l'est de la baie de Saint-Brieuc, alors que l'annexe et le sac ont été repêchés beaucoup plus à l'ouest. De fait, il leur est impossible de déterminer où a sombré le NIC. Tout cela permet de se poser une question. N'y aurait-il pas une volonté de simuler un naufrage en jouant en quelques jours à lâcher des objets ici et là? Les investigations s'enlisent. Jusqu'au 6 juin 2000, jour où les marins pêcheurs du chalutier L'Indomptable font au large du rocher de Rohan une trouvaille qui va bouleverser l'enquête. Nous sommes à peu près 9 mois après la disparition de la famille et un beau jour, des pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc ramènent dans leur filet un crâne humain, en fait. Et il s'avère que c'est un crâne d'enfant. Évidemment, tout le monde pense tout de suite à l'affaire Godard, vu l'endroit où c'est retrouvé, vu la taille du crâne. Enfin, en tout cas, les pêcheurs remettent cet indice aux autorités compétentes qui sont les gendarmes chargés du dossier. Avec ce crâne d'enfant, les enquêteurs tiennent peut-être la preuve du décès de Marius ou de Camille. De toute urgence, des analyses sont demandées. Franck Nolot, expert en anthropologie à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, n'a pas travaillé sur l'affaire Godard, mais a l'habitude de faire parler les ossements. On pourra faire des mesures et déterminer le sexe de la personne, son âge, ses caractéristiques crâniennes, son type biologique, on pourra le déterminer relativement facilement. Les experts mesurent chaque détail anatomique de la boîte crânienne et concluent sans aucun doute possible qu'il s'agit d'un crâne d'enfant âgé de 5 à 8 ans. Les enquêteurs et l'opinion publique redoutent que ça soit la petite Camille Godard parce que ça correspond au niveau de l'âge et ça correspond au niveau du sexe. L'expertise se poursuit par une analyse des sédiments fixés sur l'os pour déterminer depuis quand ce crâne repose au fond de la mer. On va obtenir une fourchette qui dit que ce crâne a été immergé dans l'eau au plus tôt à l'automne 99 et au plus tard début 2000. Donc c'est une période de temps assez courte qui correspond évidemment à la période où la famille a disparu. Les experts extraient ensuite de l'ADN du crâne. Ils le comparent à celui de Camille, obtenu grâce à sa brosse à dents, saisie dans la maison. Les résultats ADN tombent et ils sont sans appel. Il s'agit bien de la petite Camille Godard. Les gendarmes prennent un coup au moral. Pour la famille, c'est tout qui s'écroule. Camille est morte. Malheureusement, son crâne ne permet pas de déterminer les causes du décès.
la terrible nouvelle se répand. À Tilly-sur-Seul, le village des Godards, c'est la consternation. Le village s'est plutôt renfermé sur lui-même, et que ce soit dans les cafés, que ce soit dans la rue, au marché, chez les commerçants, le sujet était plus ou moins évité et personne n'en parlait à cœur ouvert. Les objets découverts, sans logique apparente, ne permettent pas de déterminer où est le Nick, ni le trajet qu'il a parcouru. Aucun débris du voilier n'est retrouvé, impossible de dire s'il a eu un accident ou si le bateau a été sabordé. Le navire semble s'être volatilisé. Au bout de 9 mois, avec la découverte du crâne de Camille, l'enquête accouche de son premier cadavre. Tout porte à croire que Marius est lui aussi décédé. En revanche, des témoignages laissent penser aux gendarmes que le docteur Godard est toujours en vie. La traque d'un fugitif se met alors en place. La dimension internationale de l'affaire va s'épaissir. Après l'épisode avorté des îles Britanniques, de nombreux témoignages vont emmener les enquêteurs à voyager aux quatre coins de la planète. On se dit, est-ce que le docteur Godard, en grande diabolique, n'aurait pas éliminé femmes et enfants ? Et serait pas parti à travers le monde, à travers les océans, en cavale. On peut traverser l'Atlantique avec ce genre de bateau, il n'y a pas de problème. Il faut des vivres, il faut de l'équipement quand même. On embarque sa nourriture et puis ou alors on fait escale. Mais si on fait escale quelque part, on est repéré. Et le docteur Godard va être repéré un peu partout sur le globe. En septembre 2001, des touristes français prétendent l'avoir vu à Phuket, en Thaïlande. Ces témoins disent avoir vu Yves Godard, mais sans Marie-France, avec une autre femme. Des gendarmes français se rendent sur place, mais les vérifications ne donnent rien. En 2002, c'est cette fois des États-Unis qu'un témoignage troublant parvient aux enquêteurs. Et là, c'est une femme qui parle français, qui habite Miami, aux États-Unis, en Floride, et qui prétend avoir vu le docteur Godard à plusieurs reprises dans les rues de Miami, l'avoir même vu dans une pharmacie, même lui avoir adressé la parole. Cette femme est formelle. Elle a vérifié sur le site d'Interpol et a reconnu le médecin de Caen sur l'avis de recherche. Les gendarmes vont à Miami et rentrent encore une fois bredouille. La même année, Yves Godard est vu faisant de l'humanitaire en Chine. Quelqu'un dit, on a vu Godard travaillant pour une organisation non gouvernementale. La piste s'avère tout aussi farfelue. 2 ans plus tard, en septembre 2004, un nouveau témoignage, a priori plus sérieux, parvient à la section de recherche de Rennes. Une femme dit qu'elle a croisé Godard, qu'il travaillerait même dans un dispensaire bénévolement en Afrique du Sud. Son témoignage est corroboré par les gérants d'un restaurant de Durban qui explique qu'Yves Godard a été un client régulier pendant plusieurs mois. Les enquêteurs doivent attendre 8 mois pour obtenir une commission en rogatoire internationale et se rendre sur place. Au dispensaire de Durban, personne n'a vu le médecin français. C'est encore une fausse piste. Les gendarmes ont obligation de suivre toutes les pistes. D'autant que la médiatisation est assez vite partie dans cette affaire. La presse, qui n'hésite d'ailleurs pas à s'inviter dans la traque du fugitif et à mettre en péril les investigations. C'est-à-dire que fuitaient dans la presse des indications sur la localisation du docteur Godard et ils ne pouvaient y aller, eux, que 3, 4, voire 6 semaines ou 3 mois plus tard. Donc si jamais Godard était en vie et suivait son actualité et ne voulait pas qu'on le retrouve, ça ne servait à rien, ces commissions rogatoires internationales. À chaque fois que le docteur Godard semblait avoir été vu à un endroit et que les gendarmes arrivaient pour mener l'enquête, c'était toujours une ombre qui s'était évanouie. Godard, l'insaisissable, semble toujours avoir une longueur d'avance sur les enquêteurs. Pourtant, une telle cavale semble improbable. Lorsqu'on se présente avec un navire de plaisance dans un port étranger qui ne fait pas partie de la communauté européenne, qu'on aille en Amérique du Sud ou ailleurs, il faut présenter ses papiers, son passeport et les papiers du bateau également. Dans les ports et les administrations des pays où Yves Godard a été vu, nulle trace du médecin. Les gendarmes rencontrent les témoins. Donc à chaque fois, les personnes sont interrogées, des photographies leur sont montrées. Ils confirment ou ils hésitent.
mais certains confirment avec une assurance très posée. Il n'en demeure pas moins que tout cela est sur la fragilité d'un témoignage, même sincère, même de bonne foi, mais on a des impressions visuelles qui font que on croit, mais ce n'est pas cela. Des milliers de kilomètres parcourus, des dizaines de milliers d'euros dépensés. La traque internationale d'Yves Godard n'a rien donné. L'homme reste introuvable. C'est incroyable les moyens qui ont été mis en œuvre pour traquer Yves Godard. Les gendarmes ont parcouru le monde, ils ont fait des dizaines de milliers de kilomètres pour vérifier des témoignages. Est-ce que ça vous paraît justifié tout ça ? De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Et il fallait vérifier ces témoignages. À ce moment-là, ils pensent que Godard est vivant et à chaque fois, ils espèrent pouvoir lui mettre la main au collet ou trouver une piste solide. Concrètement, quels sont les moyens d'enquête dont disposent les gendarmes français à l'étranger ? Ces investigations se font dans le cadre d'une commission rogatoire internationale. Les enquêteurs français n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit. Ils sont finalement très passifs. Ils doivent demander gentiment à leurs collègues du CRU d'avoir l'amabilité de faire les actes nécessaires à l'enquête. Ah oui, on imagine que ça ne fait pas avancer les investigations très rapidement. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces témoins qui spontanément viennent dire qu'ils ont vu Yves Godard ? Dans les affaires très médiatisées, il y a toujours plein de témoignages. Les gens sont de bonne foi, ils ont tellement envie de voir le fugitif qu'ils finissent par se persuader qu'ils l'ont vu. Regardez récemment l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, ce Nantais soupçonné d'avoir tué toute sa famille. C'est fou le nombre de personnes qui l'ont soi-disant croisé. Mais est-ce qu'on peut imaginer que Godard se soit lancé dans une cavale de cette envergure ? Un toubib de province, c'est pas taillé pour une cavale. Une cavale Arnaud, ça demande un sacré réseau et beaucoup, beaucoup d'argent. Godard, c'est pas un mafieux, c'est pas un baron de la drogue. Pour moi, il n'a jamais été aussi loin. Je ne crois pas qu'il soit beaucoup éloigné des côtes bretonnes. C'est d'ailleurs sur le rivage que surgissent de nouveaux indices, mais ces objets donnent l'étrange impression d'avoir été semés par un petit poussé qui se jouerait des enquêteurs. Au début de l'année 2001, l'enquête est au point mort. Mais à partir du mois de février, il va se passer des choses tout à fait étonnantes à moins de 15 km à l'ouest de Saint-Malo, sur l'île des Hébiens. Le 11 février, une promeneuse trouve sur la petite plage de La Chapelle une carte professionnelle au nom du docteur Godard. Et dans la foulée... Une dizaine de jours plus tard, c'est une carte bancaire de la BNP qui est retrouvée par quelqu'un au même endroit. Ces découvertes défient la logique. Ces cartes sont posées où ? À peine enfoncées dans le sable sur une plage de l'île des Hébiens. Deux cartes au nom du docteur Godard découvertes au même endroit à 10 jours d'intervalle, c'est déjà troublant. Ces cartes n'ont sans doute pas été rejetées par la mer. En effet, les courants dans la zone emmènent vers le large et non pas vers la plage. Curieux. Pendant 3 mois, rien ne se passe. Et puis le 24 mai, Stéphane Merdrignac, plongeur amateur, est tout à sa passion lorsqu'un bout de plastique attire son attention. Ce jour-là, on part pêcher le crabe avec un ami en plongée, en apnée. Et puis au retour, j'ai retrouvé une carte qui était au fond de l'eau. Sur la carte, il remarque une inscription. D.R.Y. Godard. J'ai tout de suite pensé à cet homme qui avait disparu en mer. Et donc, je l'ai ramené à la gendarmerie parce que je me suis douté que ça avait un lien avec cette affaire. Moins de 10 jours plus tard, nouvelle découverte. Début du mois de juin, c'est une carte d'assurance maladie souscrite en Angleterre qu'on va découvrir au même endroit. Il s'agit d'une mutuelle privée souscrite par Yves Godard à Bristol. En tout, cela fait 4 cartes en 5 mois. Toujours sur la même plage et toujours en très bon état. Les inscriptions sont en effet restées très lisibles. Ces cartes, visiblement, n'ont pas séjourné dans l'eau plusieurs mois. Ces cartes ont séjourné maxi 2-3 jours. Est-ce que quelqu'un les a déposées là ? L'absence d'ADN sur les cartes rend son identification très difficile. Ou bien y aurait-il un sac contenant des effets personnels du médecin enterré sous le sable et dont les éléments remonteraient peu à peu à la surface ? Pour en avoir le cœur net, les gendarmes font littéralement retourner la plage en juin 2001. Ils emploient les grands moyens, on prend des pelleteuses, on passe tout l'endroit au peigne fin et en fait on ne découvre rien. Les enquêteurs acquièrent néanmoins une certitude. C'est de la main humaine que ces cartes ont été posées sur cette plage des Hébiens. Un petit poussé se serait invité dans l'enquête et sèmerait les cartes sur la plage.
Un mois après le passage des pelleteuses, le petit poussé frappe à nouveau. Toujours sur la même plage, un promeneur découvre une carte de crédit revolving appartenant à Yves Godard. Et puis, pendant 7 ans, on n'a plus de nouvelles du petit poussé. Jusqu'à décembre 2008, donc une époque assez récente, où au même endroit, dans le même périmètre, une carte d'assurance santé privée que le docteur Godard avait souscrite en Angleterre est retrouvée au même endroit. Le petit poussé qu'on pensait endormi a fini par se réveiller. Mais pourquoi se manifester après 7 ans d'absence ? Il faut savoir qu'à ce moment-là, 3 semaines avant, une chaîne de télévision avait diffusé dans un magazine un sujet sur l'affaire Godard, où le procureur de l'époque dit texto que cette affaire sera close dans quelques temps. Donc on a approché la fin de l'instruction. Le dessein du petit poussé serait-il d'empêcher la clôture du dossier ? Si c'est le cas, l'objectif est atteint. L'instruction reste ouverte. On sent à ce moment-là que c'est quand même une enquête qui est polluée par des éléments extérieurs, par ce corbeau qu'on n'arrive pas à identifier, par ce petit poussé qui sème des indices en bord de mer en Bretagne. Et l'affaire s'épaissit au niveau du mystère. Jean-Marc, vous ne trouvez pas que c'est trop beau pour être vrai, toutes ces découvertes ? L'état de conservation des cartes montre bien qu'elles n'ont pas séjourné tout ce temps-là dans l'eau de mer. Sinon, elles seraient beaucoup plus abîmées, usées par le sable, le sel. Je crois qu'une personne les avait en sa possession et a décidé de les ressortir. Mais qui aurait pu garder toutes ces années ces documents et surtout, comment cette personne se les serait-elle procurées ? Il y a 2 hypothèses. Celle d'un proche qui a eu accès au domicile des Godard ou au cabinet médical et celle d'un pêcheur qui un jour aurait remonté dans ses filets ces objets. Mais pourquoi s'en débarrasser comme ça, à des endroits où, à coup sûr, ils seront retrouvés ? C'est sûrement ce que cherche le petit poucet. Il s'invite dans l'enquête. Soit c'est un farceur qui veut faire tourner en bourrique les gendarmes, soit c'est quelqu'un de bien renseigné qui sait que chaque nouvel indice découvert empêche le juge de clôturer son instruction. Il y a quand même une carte intéressante, c'est celle qui prouve qu'Yves Godard a souscrit une assurance à Bristol. Est-ce que le petit poucet n'essaierait pas là d'orienter les gendarmes ? C'est vrai que cette carte dirige les enquêteurs sur le syndicat auquel appartenait le médecin. Le CLCA a encouragé ses membres à contracter des assurances privées à l'étranger. Mais à cette époque, le militantisme de Godard au CLCA est déjà connu. C'est pas un fait nouveau. Depuis le temps, ce serait bien d'identifier ce petit poussé. Bien sûr, Arnaud. Soit c'est un pêcheur qui a retrouvé ses cartes et qui les sème, il sait peut-être où est l'épave. Soit c'est un proche. Dans les 2 cas, il est grand temps qu'il se manifeste. J'ai le sentiment que dans cette enquête, les relations entre les pêcheurs et les gendarmes n'ont pas facilité les choses. Les nouvelles vont vite chez les gens de mer. Quand tout le monde a su que le pêcheur qui avait remonté le crâne de Camille a passé des heures en interrogatoire à la gendarmerie, ça les a tous refroidis. Il y a des chances pour que ces découvertes en mer aient été faites dans des zones de pêche interdites. Justement, dans ces cas-là, les marins vont pas être jetés dans la gueule du loup et avouer une pêche illégale qui peut leur coûter cher. En septembre 2006, c'est tout de même un pêcheur qui apporte à la gendarmerie un indice qui provoque un véritable coup de tonnerre sur l'enquête. 16 septembre 2006. Sur le filet Latfil, des pêcheurs remontent dans leur filet un fémur et un morceau de tibia. Le bateau se trouve tout près de l'île de Bas, dans la même zone où l'annexe d'Unique a été retrouvée 7 ans plus tôt. Cette découverte d'ossements n'a rien d'exceptionnel. Ça arrive très souvent que des ossements soient découverts sur des plages comme au fond de la mer. Mais c'est même extrêmement surprenant. Le dossier en révèle une liste absolument considérable. Tous les ossements repêchés dans la Manche, remis aux autorités, sont analysés. Le fémur et le tibia sont envoyés dans un laboratoire d'anthropologie. Ce sont des os d'hommes adultes. La méthode de Berg va permettre de les dater. On va en prélever environ 1 cm. On va faire des petites lamelles sur ces petites coupes de 1 mm. Un colorant, le bleu de Nil, est ensuite appliqué sur les lamelles. Plus le bleu est intense, plus l'os est ancien. Les lamelles des os repêchés ne se colorent quasiment pas. C'est donc qu'ils sont récents. Et pour nous récents en termes d'anthropologie, ça veut dire qu'il aura moins de 20 ans. Mais on n'aura aucun moyen de pouvoir préciser s'il a 10 ans, s'il a 5 ans ou s'il en a 3. La mort remonte à moins de 20 ans, ce qui pourrait coller avec l'affaire Godard. L'ADN permettra d'en avoir le cœur net.
Un code génétique est isolé et comparé à celui d'Yves Godard, prélevé sur sa brosse à dents saisie à Tilly. Les conclusions tombent en décembre 2006. Et là, résultat, analyse, ADN, Yves Godard. Le dossier criminel est éteint. Yves Godard, le suspect numéro 1, celui qu'on a cru voir aux quatre coins du monde, l'homme après lequel on court depuis 7 ans, a tiré sa révérence. Ça met un terme, je veux dire, à l'information judiciaire qui était ouverte pour homicide volontaire. Dès lors que l'auteur, enfin la personne visée par l'information est décédée, l'action publique s'éteint. Donc pour la justice, c'est quand même la fin de 7 longues années d'errement, de fausses pistes, de faux espoirs, de découvertes de restes humains. Godard est mort. Les analyses anthropologiques ne peuvent en dire plus. Cette analyse n'apporte strictement aucun autre élément permettant de connaître les circonstances de sa mort ou une blessure sur un os ou quoi que ce soit. Les os d'Yves Godard ont été repêchés vers l'île de Bas. Le crâne de Camille, lui, vers le rocher de Rohan. Faut-il comprendre qu'ils ne sont pas morts au même endroit ou bien au contraire que quelque chose de plus trivial les a séparés? Bertrand Cibose, expert maritime près la cour d'appel de Caen, avance une explication. À chaque fois qu'il y a un pêcheur qui remonte n'importe quoi dans ses filets qui n'est pas du poisson et qui fait une déclaration aux autorités, le pêcheur perd sa marée. Le pêcheur est emmerdé régulièrement avec des paperasses, des déclarations à la gendarmerie. Enfin, en conséquence, ce qui est humain, le pêcheur, maintenant, lorsqu'il remonte quelque chose, la moitié du temps, il le refout par-dessus le bord. Le Nick n'a vraisemblablement pas quitté la Manche et ne s'est jamais éloigné des côtes. Yves Godard et ses enfants sont certainement morts ensemble, assez peu de temps après leur départ de Saint-Malo. L'action judiciaire contre le médecin s'éteint. Mais ce n'est pas la fin de l'affaire pour autant. Reste effectivement les circonstances. Les circonstances, les mobiles, les causes, ça, effectivement, ça restera toujours mystérieux. Les familles des victimes accueillent la nouvelle avec résignation. La découverte de ces os identifiés comme étant ceux d'Yves Godard ont été pour la famille l'aboutissement d'une idée à laquelle ils s'étaient malheureusement faite depuis longue date. Yves Godard est mort. Le fantasme d'un fugitif parcourant la planète s'est évanoui. On sait avec certitude que Camille est décédée et on imagine malheureusement que son frère Marius l'est aussi. Leur corps repose sûrement au fond de la mer. Mais où est celui de Marie-France? En janvier 2007, une lettre anonyme persuade les gendarmes de se rendre au cimetière de Lingèvre, petit village du Calvados. Son auteur indique que le corps de la mère de famille y est enterré. Des fouilles sont effectuées, des ossements humains sont effectivement trouvés, mais des analyses ADN prouvent que ce ne sont pas ceux de Marie-France. Le mystère reste entier. Il est cependant possible, en articulant les différents éléments dont on dispose, d'envisager plusieurs scénarios criminels. On serait dans un schéma relativement classique d'un père de famille qui pète un câble, qui a des problèmes, etc., et qui tue l'ensemble de la famille. Pour comprendre l'affaire Godard et approcher la vérité de ce drame, il convient de réfléchir par étapes. Trois questions essentielles demeurent. Que s'est-il passé dans la maison? Où est le corps de Marie-France? Quel drame a pu se jouer sur le Nick? Que s'est-il passé dans la maison de Tilly-sur-Seule? Je ne privilégie aucun scénario. Je reste dans un doute complet et important sur cette affaire. Je pense que malheureusement, ça fera partie des nombreuses affaires jamais élucidées. Jusqu'au 31 août 1999, la Longère des Godard est une jolie maison abritant le bonheur d'un couple avec ses deux enfants. Depuis, c'est une scène de crime. Marie-France est morte parce qu'il y a une telle quantité de sang qui s'est écoulée. Si on compte l'ensemble du sang retrouvé de Marie-France partout, il n'y a aucun doute, Marie-France est morte. Pour toutes les personnes qui se sont penchées sur cette affaire, l'auteur du meurtre ne peut être qu'Yves Godard. Il aurait tué sa femme pendant la nuit, alors que les enfants dormaient. Les nombreuses traces de sang sommairement nettoyées trahissent la précipitation de l'auteur du meurtre. Pour moi, en tant que médecin,
Il y a une autre façon que de faire un crime sanglant comme ça. Yves Godard a sans doute été dépassé par sa colère. Il est facile d'imaginer quel a été le point de départ de la dispute. Lorsqu'il a révélé, peut-être la veille au soir, que demain on partait pour 5 jours avec les enfants pour, en mer, elle a peut-être protesté de manière véhémente, s'en est suivie une dispute. Ce n'est un secret pour personne. Marie-France détestait la mer et ne supportait pas que son mari fasse des choses sans elle. Elle lui a interdit de faire du bateau quand même. C'est une femme qui lui a interdit de faire du bateau. L'enquête a montré que le couple traversait une période difficile. Dans cette situation, chaque désaccord peut alors vite s'envenimer. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'arme du crime, on n'a que des suppositions autour de ce qui a pu se passer, mais aucune certitude. Où est le corps de Marie-France ? Yves Godard a dû immédiatement après son meurtre réfléchir à la façon dont il allait se débarrasser du corps de sa femme avant le réveil des enfants. Moi, ce que je pense, c'est qu'il a peut-être emmené le corps, il a fait disparaître le corps de sa femme, c'est parfaitement possible, dans la nuit, et en Normandie, que Marie-France n'est jamais arrivée à Saint-Malo. Mais aucun témoin n'a vu ou entendu le combi dans la nuit du 31 août. Et les nombreuses recherches aux alentours de la maison pour retrouver le cadavre n'ont rien donné. Le problème de la recherche du corps de Marie-France, il est évidemment entre la maison de Tilly-sur-Seule et le port. Et où aurait-il déposé le corps, s'il l'a déposé sur la terre ? À ce jour, il est donc impossible de dire où est le cadavre de Marie-France et à quel moment Yves Godard s'en est débarrassé. Quel drame s'est joué sur le Nick. Yves Godard embarque sur le bateau avec ses deux enfants. Le cauchemar dans lequel l'a plongé le meurtre de sa femme lui semble sans issue. Se suicider est sans doute pour lui la seule manière d'y mettre fin. Daniel Zaguri est expert psychiatre près à la cour d'appel de Paris. Il n'a pas travaillé sur l'affaire Godard, mais il connaît la dynamique des drames familiaux. Se suicider, mais pourquoi tuer ses enfants ? Probablement parce que l'idée centrale, c'est l'idée de ne pas se séparer. C'est l'idée de partir ensemble. Comme ça, je n'abandonne pas mes enfants. Les enfants ne verront pas la déchéance, ne verront pas la chute du père ou de la mère. Que les enfants ne connaîtront pas une vérité qui est une vérité désillusionnante et terrible. Yves Godard aurait donc tué Camille et Marius. Comment ? Dans quel ordre ? Impossible de le savoir. On peut imaginer tout de même que le docteur Godard, avant de supprimer la vie de ses enfants, a eu des moments d'abattement, a eu des moments d'hésitation, s'est empêtré sous un crâne. On peut imaginer qu'il est passé par des phases extrêmement différentes avant de se résoudre à tuer ses enfants. On ne sait pas non plus de quelle manière le Nick a disparu. La plupart du temps, on retrouve des bouts du bateau, ça c'est sûr. Ce qui tenterait à corroborer l'idée selon laquelle Yves Godard a sabordé le navire consciencieusement. C'est-à-dire qu'il aurait fermé toutes les issues, enfin toutes les écoutilles, tout ce qu'il pouvait, et qu'il a percé des trous dans la coque et que le bateau a coulé tout droit. Le sac d'Yves Godard, repêché en mer, contenait un marteau. C'est peut-être avec cet outil que le médecin a brisé la coque. Mais en bon marin, il savait sûrement comment s'aborder proprement son voilier. C'est très facile, il suffit de dévisser le bouchon de sonde, et à ce moment-là, il y a un trou, et le bateau peut couler doucement et se poser dans les fonds, quoi. Le Nick aurait sombré, avec à bord les corps de Camille, de Marius et de leur père. Toutes les étapes du scénario d'Yves Godard en mer, il y a qu'Yves Godard et qu'on connaît les réponses. Comme il est décédé, c'est des questions dont on n'aura jamais les réponses. On a entendu différentes hypothèses sur le déroulé du drame. Quel est le scénario que personnellement vous retenez ? Yves Godard, après avoir tué sa femme, a décidé de mettre fin à ses jours et à ceux de ses enfants. Et il y a une question terrible dans cette histoire. Au moment où Yves Godard embarque sur le Nick, savait-il déjà qu'il allait tuer Camille et Marius ? Ce qui est sûr, c'est qu'il avait prévu de longue date de faire cette croisière. Son carnet de rendez-vous falsifié nous montre qu'il ne voulait pas que Marie-France ait connaissance de son projet.
C'est sans doute parce qu'il ne s'agissait pas d'une simple balade en famille avant la rentrée scolaire. Je pense que quand Godard a loué son bateau, il poursuivait l'idée folle de larguer définitivement les amarres pour recommencer une nouvelle vie à l'autre bout du monde. Grâce au CDCA, il avait d'ailleurs organisé l'évasion de ses comptes à l'étranger. Et puis le drame dans leur maison la veille du départ a bouleversé ses plans. Il sait forcément qu'il va être le suspect numéro un dans la disparition de sa femme. Son projet lui paraît désormais irréalisable. Se lancer dans une cavale avec deux jeunes enfants, c'est surréaliste. À quel moment, selon vous, renonce-t-il à ses plans ? À quel moment se dit-il que la seule issue possible, c'est que ses enfants et lui-même rejoignent Marie-France dans la mort ? Assez vite. Lui qui ne boit jamais, il attrape deux bouteilles de whisky dans le rayon du supermarché. Il sait déjà qu'il va devoir se donner du courage, se saouler pour accomplir ce geste inhumain, insoutenable, tuer ses mômes. Selon vous, Jean-Marc, pourquoi le Nick reste-t-il plusieurs jours ancré dans l'anse de break ? Godard doit être tétanisé par l'acte qu'il croit devoir accomplir. Quand il est prêt, il quitte l'anse, prend le large et trouve la force de passer à l'acte. Comme il est médecin, il utilise sûrement des médicaments pour empoisonner ses enfants. Ensuite, il se suicide avec un cocktail, whisky, médicaments. Comment se fait-il que l'on n'ait jamais retrouvé le voilier ? Je crois que le docteur Godard a sabordé le bateau en suivant une des méthodes évoquées par les experts et que les corps ont sombré avec l'épave. Ce scénario, Jean-Marc, c'est celui que vous avez construit en vous penchant sur l'affaire. La découverte de l'épave pourrait nous dire si vous avez vu juste. Mais où peut-elle bien être ? A-t-on une chance, un jour, de la localiser ? L'un des experts maritimes que nous avons rencontrés nous a fait des révélations étonnantes. Le métier de Bertrand Cibose, expert maritime, consiste à rechercher des épaves et à analyser les coques ou débris de bateaux pour déterminer les causes de naufrage. En octobre 2001, une rumeur court dans les ports bretons. Un pêcheur aurait localisé l'épave du docteur Godard en baie de Saint-Brieuc. Par curiosité et sans être requis par la justice, Bertrand Cibose décide de mener l'enquête. Il y a quelques années, je suis intervenu pour apporter mes commentaires sur un... sur les dires d'un hurluberlu qui prétendait avoir trouvé l'épave grâce à un sondeur de bateau de pêche, avoir trouvé l'épave sous le sable. Et donc je suis intervenu pour prouver que c'était le contraire. Les plongeurs de la gendarmerie confirment les conclusions de Bertrand Cibose. L'épave du Nick n'est pas là où l'hurluberlu le croyait. Cette première incursion dans l'affaire Godard permet à l'expert de recueillir des témoignages très intéressants. J'ai aussi fait la connaissance de pêcheurs de la baie qui affirmaient avoir remonté des morceaux du bateau et pour éviter les ennuis, les avoir remis à l'eau. Ouais. Ces révélations sont inédites. Ils ont plus confiance en moi que lorsqu'ils voient un gendarme ou un officiel. Et donc, ils sont plus aptes aux confidences par rapport à cette affaire-là. En sa qualité d'expert judiciaire, Bertrand Cibot sait à quel point ce témoignage peut s'avérer utile à l'enquête. Il envoie donc des courriers aux enquêteurs. Donc moi j'ai pris ça comme argent comptant, j'en ai informé les autorités, j'ai informé la gendarmerie, j'ai informé la justice. Mais il semblerait que ça n'intéressait personne. Étrangement, ces courriers sont restés sans réponse. Pourtant, il y transmet des éléments très précis. Moi, les informations qu'on m'avait données, je veux dire, c'est une zone qui se situe entre Erquy, le Grand Léjon et le Petit Léjon, donc c'est pas très très grand, quoi. Je veux dire, c'est clair. Hein. Les pêcheurs insistent pour que Bertrand Cibose se lance à la recherche de l'épave. Ils attendaient que j'intervienne avec mon sonar et mon bateau, et puis moi, j'avais absolument pas ni l'envie ni l'intérêt d'aller rechercher à mon compte l'épave du bateau du docteur Godard. C'est pas mon travail. À part si la justice me mandate pour le faire. La justice a déjà dépensé des sommes colossales pour retrouver le Nick. Plus de 4 km² ont été scrupuleusement sondés. Cela peut paraître beaucoup, mais ce n'est rien à l'échelle de la Manche. En plus, les chasseurs de mines qui ont mené ces recherches peuvent être passés à côté du bateau sans le voir. Les chasseurs de mines n'ont pas été investigués des zones qui étaient peu profondes ou trop proches des cailloux, tout simplement puisque la taille de leur bateau leur interdisait de s'approcher trop près des côtes. Un plus petit bateau aurait pu prendre le relais des chasseurs de mines. Un bateau comme celui de Bertrand Cibose. Alors pour repérer les épaves, on utilise un appareil qui s'appelle un sonar latéral que l'on traîne derrière le bateau à la profondeur choisie, c'est-à-dire que c'est nous qui choisissons la profondeur. Et cet appareil-là voit de chaque côté de la torpille, à une distance de 200 mètres de chaque côté, et permet d'avoir une vue aérienne du fond de la mer
et on voit apparaître sur notre écran chaque caillou, chaque épave, chaque forme de sable, chaque ride de sable. Mais à quoi pourrait aujourd'hui ressembler l'épave du Nick ? Il y a des fonds qui sont très caillouteux, où là, par exemple, une épave va s'abîmer plus puisqu'il y a un bateau en plastique, c'est très léger, et donc va frotter et raguer contre les cailloux et risque de disparaître. Par contre, si l'épave est dans le sable et a été avalée par le sable en quelque sorte, elle peut réapparaître complètement intacte en fait. Sonder la zone entre Erki et le phare du Grand Léjon permettra peut-être un jour de retrouver le Nick. Si une épave était localisée dans ce coin-là, il n'y aura absolument aucune difficulté à la remonter. Absolument aucun problème. C'est vraiment quelque chose d'aisé, facile, surtout vu la taille du navire. Quoi. C'est simplissime. Hein. Jean-Marc, retrouver l'épave du Nick permettrait de répondre aux questions qui demeurent. Les experts pourraient dire, en examinant la coque, si le voilier a été sabordé ou s'il a eu un accident. Oui, on peut encore retrouver des indices dans cette épave. Il est aussi possible qu'on y retrouve le squelette de Marius ou celui de Marie-France. Tout ce qui permet d'obtenir de nouveaux éléments dans cette enquête doit être entrepris. Il faut absolument sonder cette zone entre le Grand et le Petit Léjon. Comment se fait-il que cela n'ait pas été fait ? La justice ne dispose pas de moyens illimités. L'enquête Godard a déjà engagé des frais colossaux. Et aller sonder une zone maritime, ça coûte une fortune. Les magistrats n'engagent pas de dépenses sur des ondes. Qu'est-ce qui pourrait décider les magistrats à engager ces nouvelles investigations ? Des témoignages directs et solides. Il est plus que temps pour les personnes détenant des informations de se manifester. Dans cette enquête, il y a trop de rumeurs, de zones d'ombre. La loi du silence doit être brisée. Tous les acteurs du drame étant vraisemblablement morts, il n'y aura jamais de procès dans cette affaire. Le temps passe, mais pourtant, les questions demeurent. L'affaire Godard, c'est comme un puzzle où on amasse petit à petit des petites choses. Aujourd'hui, le puzzle, il est quasi reconstitué, mais il manque des bouts. Pourtant, les efforts de la section de recherche de Rennes ont été considérables. Il y a eu un travail absolument gigantesque réalisé par les enquêteurs dans ce dossier-là. Cela fait 12 ans que la justice met tout en œuvre pour élucider cette affaire. On a sondé la mer avec des moyens technologiques aux limites du million d'euros par jour de sortie. Les moyens sur cette enquête ont été aux limites du délirant. Mais le budget exceptionnel accordé à cette affaire n'a pas permis de répondre à toutes les questions. On est quand même encore dans le mystère, encore dans l'affaire, et peut-être que l'affaire Godard pourra durer encore des années à livrer ses secrets. La mère n'a pas forcément dit tout ce qu'elle avait à dire. Seule la découverte de nouveaux éléments permettrait de savoir comment et pourquoi Yves Godard a tué Marie-France, Camille et Marius. C'est les questions autour d'une affaire qui constitue, je veux dire, malheureusement, un fait divers assez basique aujourd'hui. C'est le père de famille à bout de souffle qui tue femme et enfant et se supprime pour mettre un terme à sa propre souffrance et à celle qui croit que ses proches subissent. Personne dans l'entourage des Godard n'aurait pu prévoir une telle tragédie. Qu'un homme que j'ai connu non violent puisse se commettre dans des faits d'une telle violence, c'est-à-dire dans un acte meurtrier, c'était pour moi, bon, une sidération. Personne n'a jamais pensé qu'un père qui était si proche de ses enfants puisse leur faire du mal. Ce drame familial a fait de nombreuses victimes. Nous avons une mère qui a perdu sa fille et deux petits-enfants. Nous avons deux jeunes, à l'époque jeunes adolescents, qui ont perdu leur mère. Vous avez des frères et sœurs qui n'ont plus de sœurs, qui n'ont plus de neveux et nièces. Tout cela, c'est très très proche sur le plan familial et on l'a quelquefois oublié. Il faut penser à ces enfants qui n'ont jamais personne à mettre dans la tombe. C'est quelque chose de... C'est une souffrance interne qui n'est pas facile à vivre.
Au fil de l'enquête, cette famille unie dans la douleur a connu quelques espoirs, mais surtout des désillusions. J'ai été extrêmement, et je le suis toujours, admiratif de la réserve, de la dignité et de cette douleur silencieuse avec lesquelles cette famille a supporté ces événements médiatiques et le poids de ce drame humain. Je pense que c'est exemplaire et ça mérite beaucoup de respect. Mais aujourd'hui encore, les mystères enveloppant la disparition des Godard méritent d'être percés. Dans tous les cas, il est sûr qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose et qui ne l'a jamais dit. Et il serait vraiment bien qu'elle le dise, même 12 ans plus tard qu'elle le dise. Je pense que ça soulagerait énormément de gens, notamment la famille de Marie-France Godard. Nous sommes arrivés au bout de notre parcours dans les méandres de l'affaire Godard. Dans la voiture du médecin, abandonnée sur le port de Saint-Malo, il y avait un livre. Sur la première page, cette citation en exergue: « Il est monstrueux de croire que le monde est compréhensible ou que nous sommes compréhensibles nous-mêmes. » On peut y voir le message d'un homme à la dérive qui aujourd'hui encore nous défend d'approcher qui il était et ce qu'il a fait. Pourtant, toutes les questions posées par ce drame familial doivent trouver des réponses. Il est impossible d'accepter que les décès de Marius, Camille et Marie-France restent à jamais mystérieux. Bonsoir.